T'es aussi en X, pardon. Ouais. Je suis dans le ciel. Vous êtes sur BBTV en présence de Jack et de White. Bonsoir. Ah, je peux tourner la vue. Ouh. C'est dégueulasse, on est en Bretagne ou quoi? Ouais. C'est une nouvelle aventure qui commence sur BBTV. Une aventure de viking. Sur Valheim. Ouais, on frôle les herbes, hein, j'ai peur. C'est un peu comme dans The Forest. Attention, je me pose. J'apporte les nouvelles. Attends. Faut que je change ma maniabilité. Voilà, ouais. Salut. Oh. C'est mignon. Joli, hein. Qu'est-ce qu'il veut, le coucou? Je sais pas, faut lui parler. Bienvenue dans le 10e monde, guerrier. Je suis Huguen. On m'a envoyé ici pour vous guider lors de vos voyages. Les mégalithes qui vous entourent sont les pierres sacrificielles. Elles représentent les déchus que vous devez tuer afin d'accéder au Valhalla. Ok. Valhalla. Il s'est dysmorphosé. Alors, pour ceux qui suivent notre chaîne depuis longtemps, vous savez que Jack et moi, on adore découvrir des nouvelles aventures sur de nouveaux jeux. Et ce petit jeu, il se trouve qu'il a un gros succès sur YouTube et sur Steam, bien sûr. Et comment t'as fait ça? En X. Voilà. Donc pendant tout l'épisode, on va rester assis. Si ça vous emmerde, bah, il faut zapper, aller voir chez Galax. Putain. Allez, c'est une blague. Viens, on va fouiller par là. Il y a du bois. Oh, il m'a montré que je peux faire 4 crafts, je suppose. On peut sprinter, on peut sauter, on peut s'accroupir. Tu peux t'entraîner, fieu. Ah, waouh. Compétence améliorée, sans arme 1. Il y a un bloc sur le clic droit et une frappe sur le clic gauche. Putain, on devient fort, hein. Et on peut se casser la gueule l'un l'autre ou pas? Toujours la question qu'on se pose quand on joue en coop. Ça a l'air d'aller, hein. J'ai envie de voir l'eau. Putain, je fais des étoiles, fieu, quand je frappe. C'est quoi cette histoire? Ouais, peut-être que tu te fais mal aussi. Non, ça va, j'ai 25 de vie. J'ai ramassé une pierre. Dire ça, fieu, les Jeux Olympiques. Ouais, excellent. Oh, des pommes. Fait trop chaud. J'enlève ma veste. C'est des fraises. Mais c'est chelou quand tu ramasses un truc, d'abord ils le jettent par terre avant de le ramasser, c'est chelou. Comment on craft dans ce jeu? Ah, même la flotte, c'est pas mal fait. J'ai augmenté ma compétence sauter, fieu. Saute un petit peu. Et tu crois que si tu restes idle pendant 3 minutes, tu améliores ta compétence ne rien faire? Il y a un monstre. Fais gaffe, il arrive. Putain. T'as cassé la gueule, fieu. C'est chaud de viser, fieu. Tu tapes déjà plus fort que moi, on dirait. Waouh. Oh, il a lâché une croquette. Matériaux de résine pour faire la recette de la torche, Jack. Excellent. Tu pisses dans ton froc, c'est normal? Ouais. Pas parce que je suis mouillé de l'eau. Oh, il y a du poisson, fieu. Ouais, tu vas pêcher. Il y en a qui pêchent à la mouche, lui il pêche à la torche. On peut plonger? On peut nager en tout cas, bravo. Improved swim. Waouh. Ah, moi j'ai mis le jeu en Francis. Bon, vous inquiétez pas, l'aventure va commencer, hein, mais... Reviens, parce que tu perds vite coups. Ah ouais, putain. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeu? Je serais curieux de savoir. Et les sangliers, ils sont dangereux. Il y a des cochons, fieu. Et il t'a fait mal, l'autre, quand même, hein. Lui aussi, fieu. Tiens, prends ça, mon vieux. Putain, ça saigne. C'est gore. Ah bon, une bonne côtelette. Oh, excellent, bout de cuir. Il y a de nouveau un méchant, là. Ah non, il est enchanté. Ah non, c'est notre pote. Viens, il nous parle. Je vais lire. Nourriture. Manger de la nourriture augmente votre total de santé, sans déconner. Ouais, différents types de nourriture, vous pouvez l'augmenter encore plus encore. Merci, El Corbo. Dis, ta vie, il faut que tu manges, hein. Ouais. Il est où, l'inventaire? Ah, Tab. C'est quoi ça? Ça remonte la vie, ça va. T'as mangé quoi? Une framboise. Putain, j'en ai pas. J'ai peur pour ta vie. Ah, ça fait du bois, ça. Ouais. Parce que j'aimerais bien avoir une hache. Excellent. Non, je vais parler à Higuain, là.
Comment il s'appelle? Qui ça? Oui. Putain, et moi je vais pas ramasser le bois. Ah là, il y en a. Il y a des chiens dans ce jeu ou quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai du bois et. Y'a rien pour bouffer, c'est chiant ça. Ouais, faut qu'on aille chercher de la bouffe. Ah si, le bois, je le ramasse en fait. Bande de lion. Voilà, je peux faire une hache. Je crée une hache. Tiens, je l'ai frappé. J'ai une hache, Jack. C'est bon ça? Comment t'as fait ça? Ouah, regarde. En ramassant du bois et de la pierre et sur tab. Ah ouais, craft. Ah, c'est marqué trop dur, donc si je m'acharne comme un con, je tape pour rien quoi. Bien malin ça, White. T'améliores même ton coup de hache, feu. Ouais, ça va me plaire cette histoire. T'as vu ça, feu? On joue au baseball? Oh putain, t'as une batte. Attends, je vais en faire une. Il y a des espèces de crocodiles là. Oh putain. À deux pattes. Vas-y, on les fracasse. Fracasse. Ouah, un coup sur sa face, feu. C'est un one shot. Putain, c'est mignon ça, je veux le deuxième. Viens! Viens, petite Merci. Grenouille. Tiens! Oh putain! Derrière! Ah, où ça? Un Stromboli! Stromboli! Il a un sac à dos. Comment on l'a massacré contre l'arbre, feu? T'as vu ça? Il est excellent. Putain, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Il a donné de la sève. C'est Jean-Michel Sèvre, feu. Ah non, c'est de la résine. Moi, j'aime pas quand ça me grogne dans les oreilles, là. Oh, regarde, il y a un drôle de sigle sur la map. Je crois qu'on a trouvé un truc enchanté. Ah, il y a encore une pierre ici. Ok, je vais pouvoir faire ma hache. Merde. Oh, regarde, il y a un truc chelou. C'est bon pour notre aventure, ça. Je lis. Ouais. Invoquez la bête. Oula, vous avez trouvé le lieu d'invocation d'un déchu. Faites la bonne offrande sur son autel et il apparaîtra. Mais prenez garde, les déchus ne sont pas des proies faciles, alors forgez une arme redoutable. Tu crois que ce qu'on a dans la main là, c'est une arme redoutable? Et enfilez votre meilleure armure. Ouais, donc pas un slibard quoi. Il faut lui fournir une biche. Ah, une biche? Bon, on va aller chercher une biche. Hein. Let's go. Il y en a sûrement plein à la plage. Ouais. Oh putain. Putain, ils sont fous ces sangliers, feu. Attention, il revient. Je peux le brûler, hein. Tiens, feu. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Putain, il a surgi des hautes herbes. J'espère qu'il y aura des cavernes sur ce jeu. Bah, à mon avis, ouais. Dommage qu'on ne peut pas plonger. Je sens que ça va vous plaire cette petite aventure de nous sur Valheim. On dit Valheim ou on dit Valheim? Valheim. Crois, l'autre jour, je regardais une émission en France et parlait de Scarbeck. Allez. C'est comment ils ont prononcé? Scarbeck. Sherbeck. Sherbeck. J'ai Sherbeck, je connais pas cette ville. Pourtant, je suis belge. Putain, c'était Scarbeck. C'est des champignons? Ouais. Putain, pourquoi ils décollent jusqu'au ciel, les champignons? C'est normal? Je sais pas. Attends, je vais essayer de manger ça. C'est des champignons à l'hélium. On dirait. Clique droit pour manger. Ah ouais, ma vie avait pris cher, quoi. Oh, ça nourrit bien, cette histoire, fille. Vous ne pouvez plus manger de champignons. Apparemment, je suis allergique. Tu refais, là. Passionnant. C'est passionnant. Et non. Et on s'est pas cassé le caillasse avec ça. Non, ça fait pas de dégâts, vous le voyez, il y a marqué zéro. Zéro. Putain, mais tu... Où ça, quoi? Derrière. La nuit tombe, c'est dangereux, ici. Ouais, le combat est plutôt sympa aussi. Ouais, y'a de la physique, tiens. Ouais. Déjà tout à l'heure, quand on l'a collé contre l'arbre, là, il faisait moins le malin. Restez avec nous, parce que la nuit tombe dans Valheim. Ça risque d'être tendu. J'ai entendu un grognement. T'entends? Là, il est là. Vas-y, on le frappe. Ah, on peut utiliser la torche. Pardon. J'essaie de bloquer aussi pour voir si ça marche. Oh putain, tu l'as poussé comme une vieille mamie, feu. Pas gentil. Oula, il y a eu un petit coup de lag. Pas de panique, on est toujours en ligne. Bon, le temps qu'on trouve un peu de pierre, je fais une petite pause dans l'enregistrement, mais pas bien longtemps, ne vous inquiétez pas. Pivoter. Voilà.
Non, je vais voir si je peux cuire le morceau de steak là que j'ai. Regarde, Jackie. Viens voir, Jack. Ouais, ça brûle, vieux. Je crame. Oh putain, va dans l'eau. Ah, ça va. La torche humaine. Il est en train de me balancer tous les crafts possibles à l'écran là. Regarde, on a justement mis notre feu de camp pas tellement loin d'une baraque. Richard. Oh, c'est fermé. Ah, il y a une baraque, regarde. On va refoutre le feu devant, on a déjà une petite maison. Non, casse pas, il y a une entrée. Ah, il y a une entrée. Ouais, il y a des méchants près du truc, à mon avis. Oh, tant pis, je recasse du bois. Oh, merde, je crame aussi, feu. Et il a le culot de me dire il fait froid alors qu'il a le feu au cul. Je suis en train de faire la cuisine. Ah, il y a un gigot qui pend, feu. Tu vois la viande qu'on a eue avec la bibiche? Ouais. En train de le cuire là, Yert. C'est lent. On a déjà un premier petit campement. Attends, je vais mettre autre chose. C'est quoi? C'est une queue de requin ou quoi? Ouais, une queue de lézard. Excellent. Ouais, ça m'intéresse. Putain, il vient m'attaquer quand je suis dans le menu. Oh merde. Bourgeon en gris, négri. Viens ici, tu assumes tes actes. Merde, c'est sur toi que je frappe. Mais on n'est pas en PVP donc ça va. Putain, du one shot, vieux. Bon, comme d'habitude, hein, vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez. Ah, il est là. Tiens, j'adore les coups qu'ils prennent dans la face. Oh, tu l'as massacré, feu. C'est du massacrage. Oh, je vais prendre de la pierre. Oh, il y a de la brume dehors. Ouais, hein. Je te vois dans la brume, feu. Attends, je viens près de toi. J'ai un petit couteau, là. Je veux achever ma hache. Voilà, elle est morte. Je te termine au point. Y'a du monde là, fais gaffe. Je me ferais bien une petite baston avec mon couteau. Model. Je vais essayer de lui faire mon coup du swag là. Prends ça, mon vieux. Ouais, il faut que tu te fasses un couteau, c'est efficace. Putain, une pierre. Ouais. C'est assez rare que pourrait être. Allez voir pour. Il y a encore un tortugas là, je vais le massacrer. Merde, j'ai mal visé. Hein. Une deuxième cabane ici. Il veut pas se battre. Pas la même cabane que j'ai découvert. Ah. Est-ce qu'on voit les arbres tomber? Oh ouais, regardez. Timber. Wouah. Il s'est fait écraser comme une merde. Excellent. Je peux pas te faire du bouche à oreille. Ah, il y a ton... totem. J'avais pas pris ça en compte. Y'a ton totem. Ouais. Bon, on va quand même un petit peu retirer devant la cabane, faire une sorte de chemin un peu plus réaliste. Putain, ils me saisissent ceux-là, fieux. Mais ils ont peur de nous maintenant. Il est passé près de nous, il nous a vu, il part. Ah non, il revient. Oh là là, ricochet, feu. Casse les herbes un peu plus loin après. Hein. Pas tout de suite parce que là, tu dégages un peu le terrain, c'est pas plus mal. Mais celui-là, par exemple, il est beau, là, tout près de chez nous. Là. Ah ouais. Excellent. On passerait pas en... Les arbres qui sont déjà tombés. Ah ouais, ouais. Bon, en tout cas, on peut arrêter le premier épisode de découverte ici. On continuera l'aventure si ça tente les gens. Ouais, pourquoi pas. Comme ça, on va peut-être passer... en live, donc on vous dit bisous bisous et à bientôt sur BBTV. Ciao. Ciao ciao.